Bonsoir à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un peu plus de jeux et un peu plus de matchs, et donc j'ai décidé, vu qu'il n'y a pas énormément de compétitions en ce moment, de vous proposer un bouclier des champions. J'ai créé une équipe vraiment faite pour les skills, pour essayer de faire du beau jeu, pour essayer de s'amuser. Voilà, le but va être vraiment de s'amuser, et je pense que de plus en plus, ça va être le cas sur ma chaîne, il va y avoir de plus en plus de matchs. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de m'entraîner un maximum. Je sais que je suis très loin de certains autres youtubeurs. Je pense que je suis au-dessus de certains autres, mais on va dire que les meilleurs par rapport à ça, j'en suis très très loin. Forcément, j'étais sur PES à 2000 jusqu'en 2014, et je suis passé sur FIFA 14 seulement au mois de, je sais plus quand exactement, mais mars-avril de l'année dernière. Donc ça fait qu'un an que je suis sur FIFA, donc il faut quand même chercher. Et au début, ça se passait très bien. J'avais pas forcément envie de faire des skills, mais depuis que je fais ma chaîne, j'avais juste envie d'avoir un tout petit peu plus de jeu. Parce que voilà, sur PES, j'étais plus chambreur qu'autre chose. Et j'ai envie de retrouver un peu ça, j'aimais marquer, je m'en foutais un peu de gagner, j'avais vraiment envie de m'éclater quand j'étais en train de jouer, et là j'ai envie de retrouver un peu ça, voilà, c'est tout, c'est la petite phase d'intro, donc ben, on lance directement le bouclier des champions, 8ème de finale, je vais vous présenter rapidement mon équipe, hein. Donc dans les buts, on retrouve Lloris, derrière Onioa, Koscielny et compagnie, donc déjà c'est solide, hein. Déjà on est présent quoi. En milieu de terrain, Yaya Touré, parce qu'on continue un peu à mettre de la force. Notre ami Tarab, que j'ai passé de MOC en MC, Asaidi à gauche, que j'ai passé de AG en MG, notre ami Depay qui est à Manchester United, là, j'ai réussi à avoir sa carte, c'est pas mal, c'est déjà pas mal, que j'ai mis de AG en AVG, Bolasi qui normalement est en MOC, que j'ai mis en buteur, vous savez à quel point j'aime ce joueur. Notre ami Cuadrado à droite, qui est normalement en MD, que j'ai passé en AVD. Et notre ami Ben Arfa, que j'ai laissé en MD, qui était en MD. J'ai Agüero, Debuchy, Fernando, Lalana, Wijnaldum, Kahn et Maguidi. Donc pour les 5 de gestes techniques, il me reste encore Maguidi que je peux faire rentrer à la place de Ben Arfa, par exemple. Allez, on commence tout de suite, premier match, ils sont tous en forme, ils sont tous en forme. Allez. Oh, belle équipe, ah, un peu de respect quand même, avec la carte sur le Chelsea, Sanchez, ah, c'est pas mal, Yaya Touré, Di Maria, Sturridge, Agüero devant, Vertonghen, Company, Walker, Clichy et Hart dans les buts, c'est une belle équipe, mais on n'est pas là pour rigoler, on est là pour chambrer, oui, un peu de chambritude, hein, ou de chambritage, je ne sais pas comment ça se prononce, allez. Ouh, nous avons un petit show là qui est tout de suite là, je sens qu'il est au point. Allez, ça fait 19 fois, allez, mais c'est moi qui fais la vidéo, donc si j'ai envie de dire allez, allez. Ouh là là, le mou va m'agacer. Là. La grosse défense, monsieur, la grosse défense. Ah oui, il est joueur, hein, il est... Je comprends pas trop, il y a certains joueurs, je ne les comprends pas. Allez mon Cuadrado. Oh la faute. Ah oui mais Cuadrado résiste. Cuadrado résiste. Faut marquer là. La clé, t'inquiète pas. Oh la Clichy. Ben Arfa. Oui. Bien joué Ben Arfa. Bien sûr. Oh de paix hein, qui fait pas le travail. Ouh le petit lob. Le petit lob qui était gourmand. Très gourmand. Allez mon petit compagnie là. Voilà un peu de physique là. Je t'ai fait peur toi, je sens que je t'ai fait peur, toi aussi là je t'ai fait peur, je le sens. Boum. Allez, Di Maria joue bien tant qu'il n'y a pas de vent, parce que sinon ça l'emmène, parce que c'est plus amené là, arriver à ce niveau là, c'est... Je sais, on s'attaque pas au physique mais quand même.
Ah mais là, si tu me fais des choses comme ça... Oui monsieur, avec sa petite danse. Ouf. Ça passe entre les jambes de tout le monde. J'avais pas envie de faire un tout droit. Je récupère le ballon au milieu de terrain. Voilà, j'avais juste envie d'un petit geste technique. Petit geste technique qui passe, hein. À pas piquer des hannetons, comme on dit chez moi. Oh, le gros tacle. Le gros tacle. Et il va revenir vers l'axe. Mais quoi? Mais où y'a faute là? Depuis quand on n'a plus le droit d'essuyer ses crampons? Dites-le moi. Alors peut-être, en général, les joueurs qui jouent quand même très moyennement sont bons sur coup de pied arrêté. Et ça se confirme. Ouh le coquinou. Ouh le coquinou. Je sais pas, à mon avis, il doit se faire que ça. C'est-à-dire que le gars, il sait pas jouer, mais il fait que les coups francs. Les coups francs, je suis vraiment au top. Karlovic, on l'appelle. Le gars, il sait servir. Ça, ben, eux, ils savent faire des coups francs. Allez, il est parti, il est parti. Pas ce coquin. Petit zéro. Voilà, pour le moment, pousse-le, voilà, c'est comme ça qu'on défend. Putain, j'ai cru qu'il allait siffler. Bon, c'est pas mal, première mi-temps, c'est plutôt pas mal, hein. On mène au zéro, il n'y a pas réellement match. Il n'y a pas match, mais il nous a fait peur. Il nous a fait peur sur le coup de pied arrêté, là. Le coup franc était bien tiré. Oula. Focus, focus, je me suis fait défoncer ma mère. Oula, frappe un tout petit peu optimiste. Il va vite. Oh, ah non, là, ça peut pas rentrer. Ou un peu trop gourmand. Oh, il passe. Oh, non. Bien joué. Non, il faut le reconnaître, c'est bien joué. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais bon, là, la passe est belle. Oh, Lloris. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Bien joué à lui. Oh non! Il y a pénalty là. Il y a pénalty, monsieur l'arbitre. Il y a pénalty. Celle-là, faut la mettre au fond. Joue. On est joueur. Allez, coup de pied arrêté. Yaya, c'est sa spécialité. Allez, faut la mettre au fond. Oh, il se détend bien, le petit arc. Bien joué. Qui passe, hein. Oh, penalty, normal. Bien joué, deux pays. Voilà, ça c'est passé. Hop, tac. Oh, superbe. Penalty. Jean-Michel répète tout. Allez, mon grand Yaya. Là, celui-là, il faut pas le louper. Voilà, bien sûr, c'est au fond. On reste sobre. Allez, stop. On n'a pas besoin de courir. C'est sur penalty, ça. À part quand même faire le gars heureux, c'est sur penalty. Je me répète souvent quand même là en ce moment. Allez. Et il s'est bien relancé, ça c'est quelque chose qu'il sait bien faire. J'ai eu chaud, c'était bien joué de sa part. Il m'a bien humilié avec Sturridge sur le côté, mais bon, l'essentiel, c'est qu'il n'est pas mort. Hein, voilà, on va le dire clair. Allez, là il y a un bon contre à jouer. Allez, là, il faut s'appliquer. Allez, c'est pas mal. On gagne ce premier match. Ça a été assez compliqué. Il n'y avait pas forcément d'adversité en face, mais on a fait le match. Le but, c'était de passer en quart de finale. On y est.
J'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un peu de décor. J'avais juste envie, il fait trop beau pour pouvoir rester à l'intérieur. Je me suis dit pourquoi pas faire la fin de cette vidéo à l'extérieur. Voilà, on profite un peu du soleil, on profite de la fin de l'été. Je n'ai pas mis le deuxième match que j'ai filmé, tout simplement parce qu'il y avait énormément de choses à l'intérieur et je pense qu'il va faire une vidéo seule pour ce match et que la vidéo durait déjà quasiment 9 ou 10 minutes, donc j'avais pas envie forcément. C'est toujours plus long le premier épisode parce que forcément on présente l'équipe. Après, je ne présenterai plus l'équipe, j'irai directement dans les matchs et donc ça sera forcément un tout petit peu plus court. Donc ben, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Un pouce bleu, pareil, ça fait plaisir. J'ai le soleil qui est en train de me taper avant que je prenne un coup de soleil parce que vous voyez comme je suis blanc comme un cul. Hein, et on va quand même pas prendre de risque. C'était Robert 87000, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao les gars.